20 juillet 1969. 12 ans à peine se sont écoulés depuis que, pour la première fois, l'humanité a réussi à envoyer une fusée au-delà de l'atmosphère terrestre. Douze années d'une lutte acharnée entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, qui se livrent à distance une guerre que l'on dit froide. Guerre des images, guerre des symboles, qui avait fait de la conquête spatiale un enjeu primordial. Celui qui gagnerait la course à la Lune gagnerait tout. Et pour y arriver, chaque camp s'était choisi son champion. Deux ingénieurs qui, toute leur vie, avaient rêvé du voyage lunaire. Deux génies visionnaires qui se livraient, eux aussi, à un duel à distance depuis près d'un demi-siècle. Werner von Braun, l'Allemand devenu américain, et Sergueï Pavlovitch Korolev, le Russe. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'ont jamais échangé le moindre mot. Pourtant, peu de personnages dans l'histoire ont été aussi intimement liés par une destinée commune. Chacun dans leur camp, ils ont servi la volonté de puissance de leur maître. Ils ont été les démiurges de la guerre froide, les yeux obstinément tournés vers le ciel. Chaque réussite de l'un a permis à l'autre d'aller plus loin, jusqu'à l'ultime récompense, la Lune. Sergueï Korolev, Werner von Braun, deux hommes que tout oppose, mais que réunit une passion commune et précoce, l'aéronautique. Korolev est ukrainien, von Braun est allemand. Le jeune Sergueï est l'unique rejeton d'un couple de divorcés, issus des classes moyennes. Le petit Werner est le cadet des trois enfants du baron Magnus von Braun, ministre de la République de Weimar. Mais à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ils partagent une prédisposition certaine pour le calcul mathématique et un rêve insensé, voler, plus haut que quiconque avant eux. Von Braun était un tel génie et tellement brillant. Il s'était fixé la mission de convaincre tout le monde, et ce n'était pas simple, qu'il était possible de voler au-delà de l'atmosphère. Ce qui était une idée complètement neuve. Et c'est vraiment devenu le but de sa vie. Et il y avait un tel enthousiasme à l'idée de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Pour moi, que des êtres humains aient pu voler jusqu'à la Lune et en revenir reste l'événement le plus important du XXe siècle. Depuis son plus jeune âge, mon père a toujours voulu travailler dans l'aviation. Avant même d'aller à l'école, il dessinait déjà des plans de planeurs. C'était un très bon nageur. Il vivait près d'un port. Il nageait souvent au même endroit, d'où il pouvait voir les chantiers d'hydravions sur l'autre rive. Jusqu'au jour où un mécanicien l'a apostrophé et lui a dit « Hé gamin, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Nage plutôt jusqu'ici, tu vas nous aider. » Et à partir de ce moment-là, il a commencé à aider des mécaniciens à préparer les hydravions pour les vols. Et au bout d'un moment, on l'a laissé voler dans un de ces hydravions. En 1926, à 19 ans à peine,
le jeune Sergueï quitte les bords de la mer Noire et se rend à Moscou pour devenir ingénieur en aéronautique. Il veut voler, mais dans ses propres machines, et plus haut que les autres. Et il se prend à rêver des étoiles depuis qu'il a lu les travaux du père de l'astronautique russe, Konstantin Tsiolkovsky. Mathématicien autodidacte, Tsiolkovsky a formalisé seul la première théorie scientifique du voyage spatial dès la fin du 19e siècle. Il a calculé la poussée nécessaire pour arracher un vaisseau à l'attraction terrestre, le placer en orbite et même l'éjecter hors du système solaire. Avec Tsiolkovsky, le voyage spatial n'est plus une utopie pour écrivains de science-fiction. Il est une réalité scientifique. Ce n'est plus qu'une question de temps que la technologie évolue et l'homme marchera sur la Lune. Je suis absolument certaine que mon père a rencontré Tsiolkovsky en 1929, contrairement à tout ce que l'on a pu écrire à ce sujet. Et à partir de ce moment-là, il a été convaincu qu'il fallait construire des fusées. Il m'a raconté cette rencontre. Mais moi, à l'époque, j'étais encore toute petite. Je ne savais pas qui était Tsiolkovsky. Ce qui m'a marqué, ce sont les dessins de mon père qui représentaient Tsiolkovsky avec son cornet acoustique. Tsiolkovsky a écrit en 1935 « Je vois le premier homme qui ira dans l'espace. Il devra être russe. Il devra être soviétique. Ça devra être un pilote de chasse avec un visage avenant et les yeux bleus. Vous vous rendez compte? À l'époque, Gagarine avait tout juste un an, mais Tsiolkovsky l'a décrit précisément. Dans la foulée de Tsiolkovsky, nombreux sont les pionniers qui, comme Sergueï Korolev, lancent vers le ciel dès les années 20 des fusées faites de briques et de broc. Aux États-Unis, l'ingénieur Robert Goddard fait décoller en 1923 la première fusée à carburant liquide. Son livre, « Méthode pour atteindre des altitudes extrêmes », devient le livre de chevet de tous les lanceurs de fusées. En Allemagne, c'est le physicien Hermann Oberth qui tient le haut du pavé. Il réunit autour de lui un groupe de jeunes passionnés, dont un certain, Werner von Braun. Chaque semaine, ils se réunissent sur un terrain vague berlinois, élevé pour la circonstance au rang de Raketenflugplatz, l'aéroport des fusées. Je me rappelle que von Braun disait toujours qu'il s'était élevé sur les épaules de grands hommes. Trois grands hommes. Qui s'appelait Tsiolkovsky, Goddard, et enfin le professeur Oberth. Parce qu'il était avec Oberth. Il avait à peine 18 ans. C'était à l'époque de ses tout premiers tirs sur l'aéroport des fusées, à Berlin. Et c'est là, sur cet aéroport des fusées, que le jeune Werner von Braun voit débarquer un matin de printemps trois officiers de la Reichswehr, l'armée de la République de Weimar, qui s'intéressent de très près aux essais de la Raketenflugplatz. Le sort de Werner von Braun est scellé. À peine a-t-il son diplôme d'ingénieur en poche qu'il est à la tête de la première unité de recherche balistique de l'armée allemande. L'armée rouge, elle aussi, s'intéresse aux fusées. Plus de cavaliers, des tanks, des avions. Et surtout, une artillerie moderne qui puisse frapper loin à l'arrière des lignes ennemies. Et comme l'Allemagne, la Russie a son champion. Le jeune ingénieur en aéronautique, Sergueï Korolev. Korolev, qui mène à Moscou des recherches sur les moteurs-fusées. Dès le début des années 30, les militaires soviétiques ont compris l'intérêt de ces recherches. Ils ont débloqué des fonds et regroupé tous les ingénieurs travaillant sur la propulsion à réaction.
Et lorsqu'en 1933, Korolev a dirigé avec succès le lancement de la première fusée russe à propulsion liquide, il a été promu au rang de directeur adjoint du laboratoire militaire sur les avions à réaction. Personne encore ne parle de conquérir l'espace. Mais Korolev, lui, ne pense qu'à ça. Et s'il faut pour cela mettre au point des machines de guerre, eh bien tant pis. Le camarade Staline ne prône-t-il pas que la fin justifie les moyens ? Korolev n'est pas le seul à vendre son âme au diable. En Allemagne, les nazis prennent le pouvoir en 1933. Et le réarmement du Reich, bien qu'interdit par le traité de Versailles, bat son plein. Von Braun et ses travaux sur les carburants liquides ont attiré l'attention des nouveaux maîtres de l'Allemagne. D'ailleurs, en 1934, le Führer lui-même fait le voyage jusqu'à Kummersdorf pour visiter le centre de recherche que dirige à présent Werner von Braun. Et lorsque von Braun réussit le lancement consécutif de deux fusées équivalentes à celles lancées par Korolev un an plus tôt, il se voit aussitôt attribuer 11 millions de Reichsmark pour accélérer ses travaux. Pourtant, ces deux fusées n'étaient encore que des jouets. 1,60 m, 72 kg, von Braun les avait surnommés Max et Moritz. Max avait atteint 2,2 km d'altitude et Moritz à peine 3, avant de retomber dans la mer. Von Braun se mit en quête d'un site permettant de procéder à des tirs sans risque de retomber sur des zones habitées. Il arrêta son choix sur un petit port de pêcheurs, perdu sur une île de la Baltique, Peenemünde. Le soir même, le bourgmestre contresignait l'acte d'achat, acceptant l'évacuation immédiate vers le continent de tous les habitants. Et la semaine suivante, les travaux de construction du centre de recherche le plus secret de l'Allemagne nazie commençaient. Ingénieur visionnaire, von Braun sait aussi, lorsqu'il le juge nécessaire, se muer en courtisan. En 1937, comprenant que dans l'Allemagne hitlérienne, seuls les hitlériens ont les mains libres, il prend la carte du parti nazi. Korolev, lui, ne se mêle pas de politique. Il a la tête dans les étoiles. Ses travaux lui permettent désormais, en théorie, de lancer une fusée selon une trajectoire programmée sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Le vol spatial est à portée de main, pour peu que l'on ait une fusée suffisamment puissante. Mais cette fusée, Korolev devra attendre encore longtemps avant de s'atteler à sa construction. En 1936 ont commencé les grandes purges ordonnées par Staline et exécutées avec zèle par sa police politique, le NKVD. Des procès spectaculaires sont organisés, dans lesquels les plus emblématiques héros de la vieille garde révolutionnaire avouent leur participation à des complots rocambolesques, inventés de toutes pièces par le NKVD. Dans la foulée des procès de Moscou, plus de 800 000 personnes sont déportées dans l'univers concentrationnaire stalinien en moins de deux ans. Et près de 2 millions de citoyens soviétiques disparaissent purement et simplement, sans aucune explication. Sergueï Korolev fait partie du lot. Sans juge, sans preuve, sans témoin. Le procès durait à peine 20 minutes. Mais avant que le procès n'ait lieu, la liste des accusés était envoyée à Staline pour qu'il la signe. C'était des accusés de première catégorie, ce qui signifiait l'exécution. Korolev était sur une de ces listes en août 1938. Et donc cette liste a été validée par Staline lui-même. Korolev aurait donc dû être exécuté en 1938. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les grandes purges touchaient à leur fin. Les exécutions massives diminuaient. Et la liste sur laquelle figurait Korolev est arrivée trop tard chez le juge. Il n'a pas été expédié dans l'au-delà, mais il a pris 10 ans de travail correctif. Dix ans de travaux forcés à la Kolyma. Un désert gelé, recouvert par la taïga, mais dont le sous-sol regorge d'or. Les déportés, les ZEC, qui y sont expédiés, doivent creuser le permafrost par moins 40 degrés à la recherche de filons orifères. La patrie a besoin de métal, proclame la propagande. Sergueï Korolev, la mâchoire fracassée par les nervis du NKVD et souffrant du scorbut, devra survivre plus de deux ans à ce travail correctif. Et pendant que Korolev creuse la terre gelée de la Kolyma,
Werner von Braun, choyé par le régime nazi, prend de l'avance. À l'aube des années 40, von Braun achève de mettre au point la fusée V2, un missile haut de 14 mètres. En octobre 1942, après plusieurs tirs infructueux, il réussit à expédier un V2 à 85 km d'altitude. Pour la première fois, un engin conçu par l'homme s'approche des limites de l'atmosphère terrestre. La route des étoiles est ouverte. Si le V2 n'avait pas été construit, s'il n'avait pas été développé, l'humanité n'aurait pas pu aller sur la Lune. Nous serions encore ici, à lever les yeux vers la Lune et à nous demander à quoi ça peut ressembler là-haut. Est-elle vraiment faite de fromage? Y a-t-il des gens là-haut? Et ce genre de choses. Mais Hitler ne croit pas aux fusées. Il consent néanmoins à recevoir cet ingénieur. Et le Führer est subjugué par son charisme. Après l'entrevue, Hitler, enthousiaste, dira qu'en voyant von Braun, il avait cru voir se tenir devant lui Thor, le dieu nordique du tonnerre. Et il donnera au programme V2 la priorité absolue. Bientôt, les fusées de von Braun s'abattront sur Londres. Il est évident que l'équipe de von Braun voulait aller au-delà de l'atmosphère. Ils n'étaient pas intéressés par autre chose. Et ils ne pensaient même pas que leur fusée pourrait être utilisée pour attaquer l'Angleterre. À cette époque, ils pensaient qu'elle n'était pas suffisamment au point. Vous savez, von Braun restait à Peenemünde et la partie industrielle ne dépendait pas de lui. Cette partie industrielle, c'est Heinrich Himmler, le maître des SS, qui la dirige. Il ordonne la construction d'une usine souterraine à Dora-Mittelbau, à côté du camp de concentration de Buchenwald. 60 000 déportés y sont transférés. Un tiers d'entre eux n'en ressortira pas. L'usine concentrationnaire de fabrication des V2 fera deux fois plus de victimes que les quelques 3 000 exemplaires du missile lancés sur Londres, Anvers ou Paris. Un homme, pourtant, aura la vie sauve grâce aux bombes volantes de von Braun, Sergueï Korolev. Fin 1940, Lavren Tiberia a pris la tête du NKVD. Très vite, il s'est intéressé de près à tous ces ingénieurs, ces scientifiques déportés en Sibérie. La patrie de la Révolution avait peut-être besoin de l'or de la Colima, mais elle avait plus encore besoin de cerveaux. Beria avait alors créé une multitude de charashka, des laboratoires secrets dans lesquels les scientifiques emprisonnés pouvaient continuer leurs travaux sans quitter le goulag. Parmi ces bureaux d'études peuplés d'ingénieurs esclaves, la charashka TSKB-4 de Moscou a la charge de développer de nouveaux moteurs d'avion. Dans la liste des ZEC qui y sont affectés figure le nom de l'ennemi du peuple, Sergueï Pavlovitch Korolev. Lorsqu'il est transféré à Moscou, Korolev est extrêmement faible. Le scorbut l'a privé de la plupart de ses dents, et un temps, on craint qu'il ne survive pas à l'hiver. Il survivra pourtant, et passera toute la guerre à la prison de Butyrskaya, à travailler pour la charashka. Le plus ancien souvenir que j'ai de mon père, c'est une visite à la prison de Butyrskaya. Je ne savais pas que mon père avait été arrêté. On m'avait dit, ton père est un aviateur qui a énormément de travail, et c'est pour ça qu'il ne peut pas vivre avec nous. Et un beau jour, ma mère m'a dit que papa avait atterri et qu'on allait pouvoir le voir. On est allé à la prison, on s'est assis derrière une table et mon père est arrivé accompagné par un gardien. Comme je savais qu'il était aviateur, je lui ai demandé « Mais comment tu as fait pour atterrir dans une si petite cour ?» C'est le gardien qui m'a répondu à sa place. Il m'a dit « Petite fille, il est très facile d'atterrir ici, mais le plus difficile, c'est d'en décoller. » De fait, il faudra 4 ans à Korolev pour décoller de la cour exiguë de la Butyrskaya. En 1944, un décret spécial du camarade Staline ordonne sa libération.
et l'expédie en Allemagne à la poursuite des V2 de von Braun. Un paradoxe. Korolev reste sur le papier un zec, condamné comme ennemi du peuple au travail correctif. Mais il peut désormais se déplacer à sa guise et arborer des galons de colonel. Début 1945, tout le monde a compris en Allemagne que la guerre est irrémédiablement perdue. Le V2, peu fiable, arrive trop tard pour en changer le cours. Les Russes à l'est, les Alliés à l'ouest, grignotent chaque jour un peu plus ce qui reste de la grande Allemagne hitlérienne. Von Braun est membre du parti nazi. Hors de question pour lui et les siens de tomber aux mains de l'armée rouge. Pas plus à l'est qu'à l'ouest, personne ne connaît encore l'identité de l'ingénieur qui a conçu le V2. C'est l'un des secrets les mieux gardés d'Allemagne. Les services alliés ont même monté une opération ultra secrète, baptisée Paperclip, pour découvrir qui est ce génial inconnu et le rapatrier à l'ouest. À travers tout le Reich, des agents américains, anglais, français cherchent, interrogent, enquêtent, et ils font chou blanc. Sergueï Korolev, lui aussi, est en Allemagne et court après son concurrent allemand, en vain. Lorsqu'il arrive à Peenemünde avec l'armée rouge, von Braun a déjà vidé les lieux. Ils ont raté leur face-à-face. Ils ne seront plus jamais aussi près l'un de l'autre. Contrevenant aux ordres de Berlin, qui lui ordonnait de prendre les armes et de lutter jusqu'à la mort, von Braun a évacué son équipe vers le sud de l'Allemagne, au plus près des troupes américaines. Muni d'un faux laissez-passer signé Daimler, il est même parvenu à embarquer clandestinement sur des trains plusieurs V2 entiers. Ce qu'a fait l'équipe de von Braun alors que la guerre tournait au chaos, c'est qu'ils ont réuni tous les plans, tous les dessins, et ils les ont cachés au fond d'une grotte. Et après la fin de la guerre, ils ont emmené des officiers américains jusqu'à cette grotte et ils ont exhumé les plans. Le 2 mai 1945, à la frontière autrichienne, le 2e classe Schweikurt de la 3e armée américaine amène à son sergent un jeune Allemand surexcité qui demande à toute force qu'on le mette en contact avec l'état-major. C'est le plus jeune frère de Werner von Braun qui est tombé sur une patrouille de GIs à 2 km à peine de l'hôtel où se cache le créateur du V2. Dans les semaines qui suivent, von Braun évacue tout ce qui reste du matériel et des éléments de V2 dans le camp maintenant libéré de Dora Mittelbau. Dans quelques semaines, quelques jours peut-être, les Soviétiques contrôleront cette zone et rien ne doit tomber entre leurs mains. I myself and everybody you see here have decided to go west, and I think our decision was not one of expediency, but a moral decision. We knew that we had created a new means of warfare, and the question as to what nation, to what victorious nation we were willing to entrust. And we felt that only by surrendering such a weapon to people who are guided by the Bible could such an assurance to the world be best secured. Von Braun espérait emmener avec lui les 500 ingénieurs de Peenemünde. Seuls 120 pourront l'accompagner. Il mettra près de 10 ans à rapatrier aux États-Unis l'intégralité de son équipe. Le contrat original de l'équipe von Braun était, je pense, de 2 ans. Je peux vous dire que c'était un super vendeur. Il avait une absolue confiance dans le fait qu'il convaincrait les Américains que son équipe leur était nécessaire et qu'il était nécessaire d'aller dans l'espace. C'était un éternel optimiste et il irradiait littéralement la confiance. Il était non seulement capable de traiter avec des individus, mais aussi directement avec le Congrès ou le président. Nous avons vu défiler quelques présidents ici quand von Braun y était. Et tandis que Werner von Braun s'envole pour l'Amérique, les Soviétiques arrivent à Dora et ne trouvent rien, à part quelques machines de production de missiles. Sergueï Korolev est amer. Il espérait tant rattraper son retard. Qu'à cela ne tienne, le maigre butin est rapatrié à Moscou. Il sera bien suffisant. Avec ça et deux V2, un saisi en Ukraine et l'autre récupéré en Pologne, Korolev saura donner à Staline les missiles qu'il exige. Des missiles qui, un jour,
devront peut-être protéger l'URSS d'une agression américaine. Car la guerre froide s'est bel et bien ouverte le 6 août 1945, lorsque le B-29 Enola Gay de l'US Air Force a lâché au-dessus de la ville d'Hiroshima la première bombe atomique de l'histoire. La déflagration aurait fait 140 000 victimes directes et au moins autant de blessés. La Russie se doit d'avoir la bombe pour que l'équilibre des forces soit retrouvé. La bombe et les vecteurs pour la transporter jusqu'à sa cible. Des avions rapides, puissants, à long rayon d'action. Et surtout, des fusées. Début 1946, Sergueï Korolev dirige les recherches balistiques soviétiques. En octobre 1947, avec le lancement réussi de la fusée R1, il offre à Staline les missiles qu'il exige. Dans les années qui suivent, Korolev améliore inlassablement ses fusées pour les rendre encore plus fiables, plus puissantes. Et en février 1956, il réussit le premier tir d'essai d'une R5 armée d'une tête nucléaire. L'URSS est la première puissance au monde à disposer de missiles balistiques d'une portée supérieure à 1200 km. Sergueï Korolev triomphe. Et comme en Union soviétique, on n'en est pas à un paradoxe près, il se voit remettre la médaille de « héros du travail », alors même qu'il est toujours, officiellement, un ennemi du peuple. Mais les choses changent à Moscou. Staline est mort en 1953, et Nikita Khrouchtchev dirige maintenant la patrie de la révolution. La déstalinisation est en marche, encore un an, et Korolev se verra officiellement réhabilité. Il est devenu membre du parti en 1953. C'était devenu indispensable dans son travail parce que toutes les décisions se prenaient pendant les réunions du parti. Et jusqu'alors, il n'était pas autorisé à assister à ces réunions. Korolev disait « Travailler dans ce système et ne pas en faire partie, ça n'est pas intelligent. Je ne veux pas qu'on me freine en permanence. Et quand on est face à une organisation aussi puissante que le Parti communiste, on doit en être membre pour pouvoir influer sur les décisions. » Fort du soutien indéfectible du camarade Khrouchtchev, Sergueï Korolev peut enfin se consacrer pleinement à son projet le plus cher, la fusée R7, surnommée Semyorka, le petit septième, sur laquelle il planche secrètement depuis près de 10 ans. La Semyorka, un missile intercontinental colossal, suffisamment colossal pour, qui sait, emmener un jour un pilote dans les étoiles. Wernher von Braun, lui, s'ennuie ferme aux États-Unis. À son arrivée dans le pays en 1945, les états-majors de la marine, de l'armée de terre et de l'aviation se sont disputés pendant des mois les ingénieurs exfiltrés d'Allemagne. Finalement, c'est l'armée de terre qui a emporté le morceau. Von Braun est désormais un fantassin, les deux pieds vissés au sol. En 1953, il lance le missile balistique Redstone, équivalent américain du R5 conçu par Korolev. En fait, une version allongée et plus puissante du V2. Mais von Braun veut aller plus loin. Les Russes prennent de l'avance. Et puis, il y a l'espace à conquérir. Officiellement, nous travaillons sur un missile balistique pour l'armée. Mais dès les premières années, ils pensaient à la façon d'utiliser ce missile pour aller dans l'espace, comme il y pensait déjà en Allemagne. C'était son objectif principal. Mais il devait développer ses missiles pour l'armée, parce que c'est là qu'était l'argent. Si vous parliez avec ces gens, comme j'ai eu l'occasion de le faire, quand je travaillais avec certains d'entre eux, on allait manger un hamburger, boire une bière, et ils commençaient à raconter des trucs. Et ce qui était frappant, c'est ce qu'ils avaient en tête. Ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'était aller dans l'espace. En attendant, Wernher von Braun collabore avec Walt Disney. Entre 1955 et 1957, il participe à la réalisation de 3 films éducatifs produits par le créateur de Mickey. L'homme dans l'espace, l'homme et la lune, et Mars et au-delà,
Tout un programme. Son programme. Son rêve. Depuis qu'il y a plus de 20 ans, il faisait décoller des fusées artisanales sur un terrain vague berlinois. Vous savez, il était le porte-parole idéal pour la recherche spatiale. Je veux dire, il était tellement à l'aise dans l'écriture. Il écrivait des articles de vulgarisation pour la presse scientifique. Et c'était un très bon orateur. Une des choses qu'il répétait était « Couchez-vous tôt, levez-vous tôt, travaillez comme des diables et faites votre pub. » Mais le président Eisenhower se méfie de ces scientifiques hérités de l'Allemagne nazie. S'il faut explorer l'espace, que la marine s'en charge. Werner von Braun en est réduit à implorer un signe du ciel. Et c'est bien du ciel que va venir son salut. Le 6 octobre 1957, une conférence internationale était prévue à Barcelone sur l'astronomie. Les Américains devaient présenter un exposé sur les satellites. On est allé voir Korolev et on lui a dit « Voilà ce qui se trame. Peut-être que les Américains vont lancer leur satellite le 5. Et c'est de ça dont ils parleront le 6. » Korolev a pris contact avec le KGB et on lui a répondu « Nous n'avons pas de preuve que les Américains vont lancer leur satellite le 5 octobre, mais nous n'avons pas non plus de preuve qu'ils ne veulent pas le lancer ce jour-là. » Le 4 octobre 1957, la planète entière apprenait l'incroyable nouvelle : la Lune n'était plus le seul satellite de la Terre. Le nouvel objet qui tournait autour de nous était une petite sphère métallique de 83 kg, équipée de 4 antennes, et qui émettait un bip-bip régulier que pouvaient capter tous les radioamateurs. L'engin était russe et s'appelait Spoutnik. Quand on a entendu le bip-bip, on a compris qu'il était en orbite. On est allé dans une petite maison où on avait une ligne directe avec le Kremlin qu'on a informé. Korolev a dit « Vous pouvez fêter ça maintenant. Allez boire un verre. » Il a fait une pause et il a rajouté un verre de thé. C'était ma première fois au Cosmodrome. Je ne savais pas que l'alcool y était interdit. Et j'ai dit, mais j'ai une bouteille de vin français. Korolev a fait une grimace et m'a dit, il faut que tu rendes cette bouteille à la sécurité. Du coup, j'ai répondu, je peux leur rendre la bouteille, mais vide. Depuis l'arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev, Korolev a redoublé d'efforts pour le convaincre de l'intérêt de dévoiler au monde l'avance acquise par la Russie soviétique. Et il y est parvenu. L'URSS nargue désormais le monde entier avec le bip-bip irritant de sa petite lune métallique, son Spoutnik. Le comité Nobel a voulu connaître le nom de famille du concepteur pour lui attribuer le prix Nobel. Khrouchtchev a répondu « Ce ne sont pas les scientifiques qui créent les technologies, mais c'est le peuple soviétique tout entier. Ils ont donc décidé de ne pas dévoiler son nom, qui était un secret d'État. » Et donc deux fois de suite, le prix Nobel ne lui a pas été attribué. Je trouve ça stupide. Sous le choc, enfin, les États-Unis prennent conscience de l'enjeu. En catastrophe, le tir d'une fusée Vanguard, conçue par la marine, est programmé pour décembre 1957, avec pour mission de mettre en orbite un satellite équivalent à Spoutnik. Pour l'occasion, les chaînes de télévision filment l'événement en direct et assistent à l'un des plus cuisants échecs de la conquête spatiale. L'heure de Werner von Braun a sonné. Depuis plusieurs années, il prépare lui aussi le lancement d'un satellite artificiel. C'est le projet Orbiter. Le projet Orbiter avait été durant un temps un projet officiel. Mais quand la décision a été prise de privilégier le projet Vanguard, on nous a ordonné de détruire tout ce qui relevait du projet Orbiter. Mais on ne l'a pas fait. On a tout mis de côté dans un hangar et il y avait plein d'histoires qui circulaient. On disait, pourquoi on ne vendrait pas tout ça dans un surplus? Et pourquoi on ne la lancerait pas depuis Cuba, cette fusée? Mais bien sûr, on ne l'a pas fait.
C'était juste des blagues autour d'une tasse à café. À défaut de Cuba, c'est de Floride que sera tiré le premier satellite américain, Explorer 1. Et c'est un succès. Von Braun est de nouveau dans la course et talonne désormais de près Sergueï Korolev. Il enchaîne les interviews, multiplie les articles. Tout le monde connaît son visage. Et il signe des autographes à tour de bras. Un jour, dans un restaurant, une serveuse l'a reconnu. Il a remarqué qu'elle savait qui il était. Et quand elle lui a demandé un autographe, il a eu cette phrase. C'est fou la notoriété qu'on a dès qu'on joue du piano dans les bars. Werner von Braun dirige à présent le centre de vol spatial de Huntsville, en Alabama. Le centre nerveux de la NASA, l'agence spatiale que vient de créer le président Eisenhower. Et qui lance le premier programme américain de vol spatial habité, Mercury. Parmi les innombrables problèmes qui se posent, un des plus délicats est qui envoyer dans l'espace. Les débats font rage, les idées les plus saugrenues sont envisagées. La capsule est exiguë, il faut un contorsionniste. Ou un trapéziste, que la hauteur n'effraierait pas. Au bout du compte, la NASA sera autorisée à recruter des pilotes de chasse pour en faire des astronautes, les marcheurs des étoiles. 7 sont finalement retenus. Alan Shepard, William Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Walter Schirra, Gordon Cooper et Donald Slayton. Des mois durant, ils sont soumis à un entraînement physique surhumain et à des tests sans fin. Ils s'y prêtent de bonne grâce. De leurs résultats dépendra le choix, parmi eux, du premier homme de l'espace. Le lancement est programmé pour le 31 janvier 1961. Qui montera dans la capsule? Un chimpanzé. Après tant d'efforts, de sacrifices, les 7 astronautes assistent au décollage impeccable du singe Ham, premier américain dans l'espace. Et à peine sont-ils remis de leur colère qu'une autre catastrophe les frappe de plein fouet. Le 12 avril 1961, le visage souriant de Yuri Gagarin est à la une de tous les journaux de la planète. Après le lancement de Sputnik 1, 4 ans plus tôt, les équipes de Sergueï Korolev n'avaient pas chômé. Ils avaient immédiatement mis en route le programme d'exploration spatiale habitée, Vostok, littéralement, l'Est. En juin 1959, 20 jeunes hommes ont été sélectionnés pour constituer la première brigade de cosmonautes. Il n'était bien sûr pas question d'adopter la terminologie américaine. Ils avaient tous moins de 30 ans, mesuraient moins de 170 cm. Ils étaient en excellente forme physique et ignoraient totalement ce qui les attendait. En 1960, on suivait une formation d'ingénieur en aéronautique. On entendait parfois parler du chef. Mais qui était ce chef? On ne le savait pas. Parfois, on entendait les initiales SP. Juste SP. Et puis nous avons rencontré Sergueï Pavlovitch pour la première fois à l'Institut d'aéronautique. Une berline est arrivée, un homme un peu plus grand que la moyenne en est sorti, trapu, en par-dessus avec un chapeau enfoncé. Il est entré dans la salle de conférence, on était debout, il nous a regardés et il a dit « Asseyez-vous les petits aigles ». À l'issue de cette première rencontre, Sergueï Korolev lance à ses petits aigles « Dans moins de 2 ans, l'un de vous ira dans l'espace ». Ce premier cosmonaute, ce sera Yuri Gagarin. Au matin du 12 avril 1961, il s'installe en souriant à l'intérieur de la cabine Vostok 1 sur le pas de tir du cosmodrome de Baïkonour. Cadre,
Я заря один. Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. Заря один, Киркезов, понял. Lorsque la fusée décolle, au moment le plus critique, il lance à Korolev dans sa radio « Поехали, c'est parti !» 108 minutes et un tour de la Terre plus tard, Gagarine est de retour sur Terre et fait une entrée fracassante dans l'histoire. Bien sûr, Von Braun était extrêmement déçu. Mais il s'est aussitôt dit « Hey, on peut se servir de ça ». Ça l'a aidé à vendre l'idée qu'il fallait consacrer beaucoup plus de moyens à l'espace si nous voulions prouver que nous étions technologiquement à égalité avec les Russes. En un sens, ça a été vraiment bénéfique pour nous, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est que le sol se dérobe sous les pieds de Wernher von Braun et de la NASA. En mars 1961, ils avaient officiellement annoncé que le premier vol habité américain aurait lieu le 2 mai suivant. Korolev et Gagarine les ont devancés de près d'un mois. Alan Shepard, celui des 7 astronautes sélectionnés pour ce vol, aura beau accomplir sa mission avec un sang-froid impeccable. Le vol aura beau se dérouler avec une précision inégalée, en direct, sous l'œil des caméras de toutes les chaînes américaines. Le succès gardera toujours un goût amer pour Wernher von Braun et les équipes de la NASA. La NASA, qui est prise au piège de sa communication flamboyante. Le vice-président Johnson avait beaucoup sollicité de conseils au travers d'une lettre célèbre dans laquelle il demandait au nom du président dans quel domaine les États-Unis peuvent-ils battre les Russes. Et von Braun avait rédigé une réponse très argumentée. Nous pouvons les battre sur tel point ou sur tel autre. Mais ce que nous pouvons vraiment faire pour les battre, c'est aller sur la Lune. La Lune, un défi lancé à la face des Soviétiques d'une incroyable témérité, mais qui effacerait avec panache tous les échecs récents. Lorsqu'il rencontre von Braun, le président Kennedy est subjugué par le charme de l'ingénieur allemand, au point de reprendre presque mot pour mot sa préconisation dans l'un de ses plus célèbres discours. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Cette fois, la presse titre America is back. Et l'Amérique entière va serrer les rangs derrière son président pour atteindre et dépasser la nouvelle frontière qu'il vient de lui désigner. À Moscou, Sergueï Korolev n'a pas attendu pour prendre le chemin de la Lune. Depuis la fin de 1955, il travaille à un projet d'exploration lunaire baptisé Meshta, le rêve en russe. Et après le succès de Spoutnik, il a réussi à emporter l'adhésion du Kremlin. Le programme lunaire soviétique a officiellement été lancé par Nikita Khrouchtchev en avril 1958, 3 ans avant le discours de John Kennedy. Dès le 2 janvier 1959, la sonde Luna 1 est lancée. C'est un demi-échec. La sonde passe à 6000 km de la Lune et finit sa course en orbite autour du Soleil. Mais elle a démontré que, comme l'affirmait Korolev, la Russie disposait d'une technologie suffisante pour atteindre la Lune et aller plus loin encore. 9 mois plus tard, Luna 2 vient s'écraser sur le sol lunaire. Objectif atteint. 1 an encore, et la sonde Luna 3 effectue un tour complet de la Lune. Elle renvoie sur Terre 17 photos de sa face cachée, à partir desquelles il est possible, pour la première fois, de dresser une carte lunaire complète. La Lune, désormais, est russe. Mais malgré l'avance acquise, les dirigeants soviétiques refusent à Korolev l'expédition lunaire habitée dont ils rêvent. C'est que le programme spatial soviétique reste avant tout un programme militaire. Ses enjeux sont terrestres et non lunaires. Justement, autour de la Terre, la compétition continue de plus belle. Et désormais, Wernher von Braun rend coup pour coup à Sergueï Korolev. En juillet 1961, l'astronaute Virgil Grissom renouvelle le vol de Sam Shepard. 2 semaines plus tard, le cosmonaute German Titov établit un record de durée dans l'espace, en restant en orbite une journée entière dans la capsule Vostok.
En février 1962, l'astronaute John Glenn est le premier Américain à effectuer 3 tours de la Terre à distance orbitale. En août, son collègue Scott Carpenter effectue la première rentrée atmosphérique en pilotage manuel. Encore 3 mois, et les cosmonautes Pavel Popovitch et Adrian Nolaev se croisent dans l'espace à bord de leur capsule. Puis en juin 1963, Valentina Tereshkova devient la première femme de l'espace. En 1964, les capsules monoplaces cèdent le pas à des véhicules plus gros, pouvant embarquer 3 personnes. Et en mars 1965, le cosmonaute Alexei Leonov effectue la première sortie dans l'espace, revêtu d'une combinaison pressurisée. Il flotte ainsi dans le vide spatial 12 minutes, ébloui par la beauté du spectacle qui s'offre à lui. Mais lorsqu'il veut réintégrer son vaisseau, il ne peut pas. Sa combinaison s'est tellement dilatée dans le vide qui l'entoure qu'il ne passe plus par le sas. Il lui faudra la vider d'une partie de l'air qu'il respire pour pouvoir reprendre sa place dans le vaisseau. L'exploit d'Alexei Leonov marque l'apogée et la fin de la suprématie russe dans l'espace. Jusque-là, les Soviétiques ont tenu la dragée haute aux Américains. Mais la formidable puissance financière de la NASA commence à faire la différence. D'autant que depuis l'engagement pris par Kennedy, les Américains ont la tête dans la Lune. Les vols en orbite terrestre ne sont plus pour eux que la répétition de leur programme lunaire, Apollo. C'est une chose que d'atteindre la Lune, les Russes l'ont fait, avec une technologie relativement rustique. Mais c'en est une autre que d'y atterrir en douceur et d'en revenir. La solution ? Envoyer simultanément 2 vaisseaux sur une même fusée. Le premier emportera le second et se placera en orbite lunaire. Le second sera conçu simplement pour allunir, depuis cette orbite et y retourner. Le hic, en revanche, c'est que pour lancer ces 2 vaisseaux au-delà de l'atmosphère terrestre, il faut disposer d'une fusée gigantesque, bien plus puissante que toutes celles envisagées jusqu'alors. En moins d'une année, Von Braun achève la conception de sa fusée, baptisée Saturn V. Un colosse de fer et de feu, 110 mètres de haut, 3000 tonnes. Rien jusque-là n'avait ressemblé de près ou de loin à cette fusée révolutionnaire dressée vers les étoiles. Le 9 novembre 1967, une fusée Saturn V totalement automatisée lançait Apollo 4 et son module lunaire sans aucun passager. Le premier étage se détacha comme prévu, puis le second, et enfin, à 17 km d'altitude, la capsule et son module lunaire allumèrent leurs moteurs et continuèrent leur route. Cette fois, Wernher von Braun avait bel et bien ouvert la route de la Lune au vol habité. Ce pas décisif vers l'accomplissement de leur rêve commun, Sergueï Korolev ne devait pas le voir. Depuis son séjour au Goulag 30 ans plus tôt, sa santé était vacillante. Il dormait trop peu, se nourrissait mal. Il était épuisé par le stress. Et lorsqu'enfin Khrouchtchev avait compris l'enjeu que représentait l'exploration lunaire, il était trop tard. Les Américains avaient pris trop d'avance et Korolev était trop diminué par la maladie. En décembre 1965, il avait décidé de se faire opérer d'un polype intestinal, une intervention bénigne sous anesthésie locale, mais qui tourna mal. L'infirmière a dit: son cœur s'est arrêté. Les médecins n'ont pas réussi à l'intuber. En fait, sa mâchoire avait été cassée pendant son interrogatoire. Ils n'ont pas pu l'intuber. Ils ont procédé alors à une trachéotomie, mais ils avaient déjà perdu trop de temps. Et Korolev s'éteignit là, des suites des tortures que lui avait infligées le NKVD en 1938. Comme si la condamnation à mort prononcée par Staline avait fini par le rattraper. La légende veut que Wernher von Braun ait appris le nom de son adversaire de toujours en feuilletant Paris Match, qui rendait compte des funérailles nationales offertes à l'homme sans nom. Son corps fut déposé dans les murs du Kremlin, derrière le mausolée de Lénine. Un destin étrange pour un ennemi du peuple. Avec Korolev, c'est le rêve russe du voyage lunaire qui s'éteint. L'Amérique a désormais le champ libre. Le 20 juillet 1969, Wernher von Braun, assistant direct à son triomphe depuis le centre de contrôle de Houston, Texas.
il suit avec émotion la descente du LEM, le module d'alunissage piloté par Neil Armstrong, vers la surface lunaire. Que de chemin parcouru depuis la Raketenflugplatz, 37 ans plus tôt. Y pense-t-il, tandis qu'enfin son rêve se réalise sous ses yeux ? A-t-il une pensée pour son alter ego soviétique, mort trop tôt pour connaître sa défaite ? Songe-t-il aux déportés du camp de Dora, morts pour que ses fusées existent ? Ou simplement, uniquement préoccupé par la réussite de l'expédition, retient-il son souffle pendant qu'Armstrong et Aldrin descendent, le long de l'échelle du LEM, vers le sol figé de la Lune ? Ça y est, Armstrong saute les derniers barreaux de l'échelle. Une empreinte humaine s'imprime dans la poussière lunaire. Armstrong fait un pas, puis un autre, dodelinant dans sa combinaison pressurisée. Sa voix résonne dans le centre de contrôle. Il dit « It's one small step for man, one giant leap for mankind. » Autour de Von Braun, tous les techniciens sont debout. Ils applaudissent, se congratulent. Le monde entier, rivé à ses écrans de télévision, se lève avec eux. Le triomphe est planétaire. Von Braun, lui, rêve déjà de Mars. Mais il est trop tôt ou trop tard. Encore quelques mois, et il sera écarté du programme spatial américain par le Congrès, dont la majorité républicaine veut recentrer les budgets sur des applications militaires. Il se retirera au bord de l'océan Atlantique et sera emporté par un cancer du foie en 1977, à l'âge de 65 ans. Par une de ces pirouettes dont l'histoire a le secret, il mourra le jour du premier lancement d'essai de la navette Enterprise. La navette spatiale, un projet auquel il n'avait jamais cru, mais dont Sergueï Korolev, lui, avait eu l'idée dès le début des années 60. Un pied de nez posthume entre deux hommes qui jamais ne se sont rencontrés, mais qui leur vie durant se sont livrés à distance à un duel sans merci.